Donc, merci pour votre invitation, en effet. Et alors, ça va être une présentation qui est peut-être un peu moins scientifique par rapport à ce dont vous avez l'habitude. Et un peu frustrante pour nous au départ, quand on a su que c'était un 15 minutes pour vous parler de 10 ans de programme de conservation en surdressement. Alors, Sylvie nous a rassurés, on peut tirer un peu 20-25 minutes. Mais bon, non, on va faire court. Et l'idée, c'est que voilà, ce support-là soit source d'échange après pour ceux qui veulent prolonger un peu par des questions. Donc, quand je dis 10 ans de programme de conservation, en fait, le Desmans des Pyrénées, qui est une espèce protégée, a fait l'objet de deux programmes. Un plan national d'action de 2009 à 2014 et de 2014 à 2020, un projet qu'on appelle un projet Live Desmans. Donc LIFE, c'est un, je ne sais pas si vous êtes familier, mais c'est un outil financier de la Commission européenne pour mettre en place, en œuvre, des programmes de conservation d'espèces notamment. Donc voilà, dans le cadre de ces deux programmes, il y a eu une phase assez active d'acquisition de connaissances parce que, vous le verrez, et puis on pourra échanger là-dessus, mais le Desmans est une espèce encore très méconnue, qui a été découverte tardivement et qui au final n'interagit pas beaucoup avec l'homme et du coup ne l'a pas beaucoup intéressé jusqu'à il y a une dizaine d'années. Donc voilà, donc on va vous donner quelques éléments de sa biologie quand même incontournables et puis après zoomer sur deux actions de recherche appliquées sur l'espèce voilà, qu'on détaillera un petit peu plus. Donc déjà pour commencer, je vous ai dit que c'était une espèce protégée qui est particulièrement protégée du fait d'une aire de répartition restreinte parce que là vous avez son aire de répartition mondiale. Donc Pyrénées françaises espagnoles et après nord-ouest de la péninsule ibérique avec une aire de répartition qui a tendance à se fragmenter et à se réduire de manière assez conséquente. Là vous avez l'aire de répartition française, donc vous voyez qu'il est présent sur les 6 départements pyrénéens. En vert en fait c'est la répartition historique il y a une trentaine d'années et en bleu c'est l'actuel. Donc vous voyez cet effet de régression et de concentration en fait sur les altitudes les plus hautes. Sachant que donc en termes de répartition, le Desmans on le trouve à peu près à partir de 80 mètres dans les Pyrénées Atlantiques et plutôt à partir de 450 mètres dans les Pyrénées Orientales et on peut le trouver jusqu'à 2700 mètres d'altitude, donc avec une aire altitudinale assez élevée. Ses habitats, donc c'est un mammifère qu'on dit semi-aquatique, en fait il est vraiment inféodé aux cours d'eau de moyenne et haute altitude et puis aux lacs d'altitude. Donc le cours d'eau typique du Desmans, c'est un peu ce profil-là, avec pas mal de substrats, de blocs rocheux, des faciès assez diversifiés, des accélérations du courant. Il aime beaucoup les endroits où le courant est plutôt torrentiel, où le courant s'accélère. Et puis des berges, soit présentant des enrochements naturels, soit de la ripisylve assez développée, puisque c'est une espèce qui a ses gîtes en fait, dans les berges, mais qui n'est pas fouisseuse, elle ne creuse pas de terriers, donc elle profite des infractuosités existantes ou de terriers d'autres espèces. Et pour continuer sur sa biologie et terminer un peu par là pour faire vite, il est, donc on disait, étroitement lié au milieu aquatique, donc il s'y déplace, il y gîte et il s'y nourrit. C'est une espèce qui consomme des larves d'invertébrés benthiques, donc ils trouvent sous les cailloux, sur le substrat du fond des cours d'eau. Donc là, on voit une attitude typique de chasse où ils fouillent sous les cailloux. Et on peut dire que c'est une espèce spécialisée, c'est-à-dire qu'ils consomment quasi essentiellement des larves d'éphéméroptères, plécoptères et trichoptères. Mais assez opportuniste, on s'est rendu compte en fait que dans les situations où ces larves-là n'étaient pas très disponibles, ils pouvaient ouvrir son champ de proie et même consommer ponctuellement des proies terrestres, comme certains lombriques ou orthoptères. Mais ce n'est pas la majorité. Et un élément important aussi, c'est qu'en fait, il se repère dans son environnement quasiment exclusivement au toucher. On le voit là, en fouillant avec sa trompe, il a cette particularité d'avoir une trompe, donc une trompe vraiment comme un éléphant, c'est la soudure de la lèvre supérieure et du nez. Une trompe donc préhensile, qui bouge de partout, et avec beaucoup d'organes sensoriels, on devine là sur la photo les vibrisses, je touche pas l'écran, on devine les vibrisses sur la photo. Donc voilà, une espèce qui se repère vraiment au toucher. Il y avait eu des tests en laboratoire qui avaient été faits il y a une cinquantaine d'années qui montraient que si une proie passait à plus de 5 cm de l'animal, il ne l'apercevait pas. Donc voilà,
très vite pour la biologie de l'espèce. Et on voulait vous mettre aussi un petit... Alors celle-là, j'ai besoin de ça, c'est ça. Une petite vidéo pour vous montrer en fait que... Alors donc c'est une espèce qui vit, je vous ai dit, dans les zones plutôt dromous, qui n'est pas très grande, qui sort le jour mais qui vit beaucoup la nuit, et qui du coup est assez difficile à étudier. Et vous voyez, vous allez voir en plus qu'il va très vite. Pour vous montrer un peu comme voilà comme il est speed et comme ça, du coup c'est une espèce qui n'est pas évidente à étudier sur le terrain. Et donc du coup je vais laisser la parole à Fred pour qu'il vous présente le premier zoom sur la répartition de l'espèce et les outils qui en découlent. Donc effectivement, le Desmoin des Pyrénées, c'est une espèce qui est très très mal connue, découverte en 1811. Vous avez vu le milieu où il évolue, voilà, on voit un petit truc passer, est-ce que c'est le Desmoin ou pas, on ne sait pas. Difficulté de détecter des indices de présence sur l'espèce, etc. Donc de grosses lacunes en matière de connaissances, et notamment en matière de répartition, parce qu'on avait quelques données ponctuelles, etc. Et également aussi... une espèce qui passe inaperçue aux yeux des services instructeurs, des aménageurs, etc. Alors que c'est une espèce qui est menacée de disparition, protégée, etc. Donc quand on a réfléchi dans les programmes de conservation, on avait une volonté d'actualiser donc, la carte de répartition et d'imaginer des outils de prise en compte du Desmoin des Pyrénées. Alors, c'est le blanc. Donc on est parti au final sur plusieurs choses, agrégation de données. Donc on avait à la fois de la donnée issue d'expertise naturaliste, donc ça pouvait être des captures, on a testé des méthodes de découverte d'indices de présence comme les radeaux à empreintes, donc c'est des radeaux avec une petite plateforme sous la cahute là, avec de l'argile, et quand une espèce monte dessus, elle va laisser ses traces et on essaie d'identifier les espèces qui passent grâce aux traces. Après, on avait d'autres données issues de découvertes de cadavres, des observations directes, qui restent quand même très très rares, des données issues de pêche électrique, et une des méthodes les plus, on va dire, faciles, entre guillemets, c'est la recherche donc, des crottes, ou CSS. Donc voilà, on avait tout un tas de données comme ça, et... qu'est-ce que j'ai appris ? Voilà, et donc... Parallèlement aussi, on avait donc des données historiques, comme l'a dit Mélanie, d'une trentaine d'années. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Alain Bertrand, qui avait travaillé sur le Desmoin dans les années 80, avait parcouru l'ensemble des Pyrénées pour essayer d'avoir une carte de répartition. Et il avait à peu près réalisé 600 tronçons de cours d'eau. Donc nous, on est reparti sur son travail et on a voulu avoir une approche historique comparative. Et on a... compléter ce jeu de données-là avec un nouvel échantillonnage qui a été fait un petit peu de manière aléatoire mais spatialement équilibrée avec le GRT, c'est ça ? Je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est une petite moulinette qui permet de sectionner les cours d'eau et d'avoir une recherche aléatoire en fonction de la disposition du cours d'eau dans l'espace. Donc voilà, tout un tas de données. Et ensuite, donc, on a essayé de cartographier tout ça, et on a donc tout ce qui était données ponctuelles, on les a transformées en données linéaires, en donnant une limite de 1 km pour chaque donnée. Et donc, pour nous, ce qui était important, c'était de pas rester sur l'expertise et le regard d'expert sur la distribution de l'espèce, et de pouvoir avoir une approche un peu scientifique, un peu cadrée. Et on a mis en œuvre une bourse chiffre qu'a réalisé Anaïs Charbonnel sur la distribution de l'espèce et les facteurs environnementaux. À partir de là, toutes les données agrégées, donc tout ce qui était données de détection et non-détection, on s'est dit que finalement une donnée ponctuelle, c'était même linéaire, c'était pas intéressant et qu'il fallait pour un Desmoin, puisqu'un Desmoin peut se déplacer... En gros, il a un territoire, un domaine vital de 500 mètres, mais il peut faire des parcours de plus de 18 km.
Ça, on a pu le mettre en évidence grâce à la génétique. Donc, on est parti sur une spatialisation à l'échelle des zones hydrographiques, donc à l'échelle des Pyrénées. Et donc, on a donc sorti une première carte comme ça, avec non-détection, détection, absence de données. Et ensuite, on l'a couplé aussi avec une favorabilité d'habitat modélisée, avec des modèles statistiques descriptifs d'habitat. Et ensuite, pour nous donner donc une carte binaire, 0 ou 1, où voilà, on a le décement avec une valeur de favorabilité d'habitat. À partir de là, on a essayé d'identifier des critères à la fois spatiaux et temporels. Et donc, on a arbitrairement décidé que les données actuelles étaient supérieures ou égales à 2005 et les données historiques étaient inférieures à 2005. Donc, ce qui nous a donné donc, des patchs de zones hydro. Et ensuite, on a rajouté à ça une échelle spatiale. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc, on a une donnée par exemple sur une zone hydro, mais comme on sait que le décement des Pyrénées a des capacités de déplacement de plus de 18 km, on a considéré que si on avait un décement qui était présent sur une zone hydro, on prenait en compte la zone hydro aval ou la zone hydro amont, comme ça nous permettait d'avoir une aire potentielle de présence de l'espèce. Et en fonction de ces échelles temporelles et spatiales, on a identifié 4 critères. Voilà, donc critère 1 sur le local et actuel. Donc voilà, on a une information sur la zone hydro à l'échelle actuelle. Et bon, je vous laisse regarder les 4 autres critères. Donc qui prennent en compte à la fois le local, la collectivité, la donnée actuelle et la donnée historique. Et à partir de là, on a sommé ces 4 critères qu'on a pondérés avec un poids plus important sur la connectivité et la donnée historique, ce qui nous a donné en gros 30 scénarios. Vous avez, bon, je ne sais plus, c'est celui du haut, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est génial. Ça, là, voilà. Vous avez en gros 30 scénarios, et ces 30 scénarios, on les a condensés en trois catégories. Une absence historique et actuelle, une présence historique et une présence actuelle. Ce qui nous a permis d'avoir une cartographie à l'échelle des Pyrénées, comme celle que vous avez à droite, et ce qui nous permet donc d'avoir un outil cartographique d'alerte qui peut être réactualisé régulièrement. Et cet outil-là, en fait, il permet donc d'avoir la répartition du décement des Pyrénées à un instant T. Et cette cartographie, donc, elle est sur le site de l'Adréal, Pictoxitanie, ce qui permet donc d'avoir, pour les services instructeurs et les aménageurs, une cartographie en temps réel de la présence du décement. À partir de là, donc, il y a des prises en compte ou non du décement en fonction de sa répartition. Donc, en zone noire, on prend en compte systématiquement le décement des Pyrénées. On n'a pas besoin d'aller réaliser des inventaires pour prendre en compte l'espèce. Si on est en zone grise, là, on a une obligation de réaliser un inventaire. Si le décement est détecté, ben, paf, la zone hydro passe en noir. S'il n'est pas détecté au bout de, on va dire, 3 passages, on va préconiser des mesures opérationnelles en faveur du décement, mais plutôt liées sur ses habitats, plutôt que sur le décement. Et en zone blanche, bon, ben, le décement n'est pas pris en compte. Voilà, tout ceci en fait, a permis d'avoir des informations qui sont scientifiquement pertinentes et qui sont opérationnelles. Et ce qui nous a permis, avec l'Adréal, de rédiger une note de cadrage donc, qui a été... quand est-ce qu'elle est sortie là ? L'année dernière. Avec un organigramme, un logigramme associé, donc, ce qu'on a vu sur la diapo d'avant, mais un petit peu plus détaillé. Et donc cette note de cadrage, elle est assortie de 4 livrets techniques. Donc les 2 premiers sont sortis, le 3 devrait sortir en fin d'année. Le premier, c'est plus sur les éléments de connaissance de l'espèce. Le livret 2, ben, c'est l'outil cartographique avec la mise en œuvre du protocole. Ce protocole-là, il a été validé par le CNPN et le CSRPN. Et les prochains livrets, donc, ça va être quelles sont les mesures d'évitement ou de réduction et s'il y a des suivis à mettre en œuvre dans des cadres d'aménagement. Quel protocole de suivi on va mettre en place pour le décement.
Sur les protocoles d'inventaire, aussi ce qui est important de savoir, c'est que en lien avec l'ADREAL, on a souhaité que les bureaux d'études soient formés à la mise en œuvre du protocole. Donc on réalise des sessions de formation à destination des bureaux d'études pour la bonne mise en œuvre du protocole. Et chaque personne qui a participé à sa formation, a une attestation nominative comme quoi il est capable de mettre en œuvre ce protocole. Je crois que c'est tout pour moi. J'ai débordé, non? C'est bien. Et le deuxième zoom, du coup, c'est sur les préférences d'utilisation de l'habitat par le DESMAN. Et le côté opérationnel, c'est comment on peut du coup essayer de prescrire des débits minimums biologiques qui permettent la préservation de l'espèce. Donc l'étude qui a alimenté tout cela, c'est une étude de suivi par radiopistage. Donc je pense que vous êtes tous familiers de ces suivis. Alors on a mis quelques photos pour vous montrer un peu la démarche. Donc on capture avec ce type de piège, à ailettes ou sans ailettes, dans le cours d'eau. Ce sont des pièges comportementaux, en fait on ne met pas d'appât. On les met, vous voyez, plutôt dans les veines d'eau qui sont les endroits où le DESMAN a plutôt tendance à passer. Et donc on les dispose en journée et on fait des relevés la nuit. Alors sur les opérations de radiopistage, comme on veut optimiser les captures, on les laisse jour et nuit, mais il se trouve qu'on ne capture jamais la journée. On capture toujours la nuit. Voilà, alors quand il y a une capture, on est ravis. Là vous voyez le DESMAN dans le piège. On le met dans une boîte de contention. Et puis on lui colle un émetteur, alors c'est de la colle chirurgicale, en fait on lui le colle sur le dos, au niveau de l'insertion, enfin au-dessus de l'insertion de la queue. Et c'est des petits émetteurs en fait qu'on utilise pour les chauves-souris aussi, qui pèsent entre 0,3 et 0,6 grammes, avec une antenne. Donc on colle, on laisse sécher, on relâche, et après démarre le suivi. On n'a pas pu s'empêcher de vous mettre une photo d'Alexis en train de faire le suivi. Et donc, on suit les animaux jour et nuit, puisque le DESMAN, contrairement à ce qu'on peut lire dans la bibliographie, est actif la journée aussi, et on le suit toutes les 20 minutes. Donc, ça demande une présence humaine assez importante. Donc, on fait les 3-8, en fait. Il y en a qui radiopistent pendant qu'il y en a qui dorment, et on se relaie pour qu'il y ait toujours quelqu'un sur le terrain. En plus, comme c'est en cours d'eau, pour des questions de sécurité, on essaye d'être toujours en binôme. Donc, voilà, c'est des opérations qui demandent beaucoup de monde. Donc là, pour vous donner une idée, on a commencé en 2014, on a fait un suivi 2014, un suivi 2015 et un suivi l'année dernière, 2018, qui nous a permis de suivre 8 individus. En fait, il se trouve que celle suivie en 2014 et en 2015, la génétique nous a montré que c'était la même. D'où son nom de Mélostèle, parce que c'est une mélodie avec une estèle. Et du coup, voilà, avec des suivis, donc un gros effort piégeage. Vous voyez, pour vous donner une idée, là, 10 nuits avec 73 pièges, donc à peu près 876 relevés, parce qu'on fait des relevés toutes les heures. Donc inutile de vous dire qu'au bout de 10 nuits, on n'est pas très beau à voir. Là, on avait fait une opération un peu plus courte, mais voilà, avec pas mal de nuits aussi. Et la dernière, sur 6 nuits et 5 jours, où là, on avait fait jour et demi, mais avec, pareil, un nombre de relevés assez important. En résultat intéressant, juste rapidement, vous voyez que les domaines vitaux sont en général pour Aston de l'ordre de 500 mètres, ce qui est ce qu'on peut voir en général dans la littérature, puisque les Espagnols ont fait quelques sessions de radiopistage aussi. Ils trouvent entre 500 et le plus large 1500 mètres, et nous on avait un maximum 550 mètres. Et sur le Vic de Sceaux, par contre, on a des domaines vitaux beaucoup plus courts par rapport à ce qu'on trouve dans la bibliographie. Alors, l'hypothèse qui nous semble la plus probable, mais qui pour le moment n'est pas confirmée, c'est qu'il y a une densité en invertébrés sur le Vic de Sceaux qui est assez exceptionnelle. Vous soulevez le premier caillou que vous trouvez, ça grouille de larves. Et donc, peut-être qu'ils ont une ressource suffisante à proximité et que du coup, il n'y a pas de nécessité à étendre le domaine vital. Donc voilà pour ces quelques résultats. Là, c'est une représentation des relevés pour chacun des animaux, avec quelques éléments intéressants à regarder. Donc les petites étoiles, c'est les gîtes qui sont utilisées. Donc vous voyez, selon les individus, entre 1 et 3 gîtes utilisés. Avec en général, le schéma, c'est un gîte principal, où l'animal revient quasi systématiquement, et parfois l'utilisation d'un gîte ponctuel
en journée ou sur des temps plus courts. L'autre élément intéressant, c'est l'utilisation d'affluents. Alors, c'est pas toujours très visible, mais là, en fait, vous avez le cours d'eau principal. Et là, celle-là, de femelle, utilisait l'affluent, alors même pour giter et beaucoup pour chasser. On a ce cas ici aussi. On a le cas sur celle-là aussi. Et puis, en bas, sur le dernier radiopisté, où pareil, il avait son gîte sur l'affluent. Alors, ça peut être des tout petits affluents. Celui-là, on devinait à peine, quand on était sur le cours d'eau principal, on devinait à peine qu'il y avait un affluent au-dessus. Et il était marqué au début, enfin, les 100 premiers mètres étaient marqués en pointillé sur la carte et n'étaient même plus mentionnés sur la carte IGL. Or, on se rend compte sur ces manips et puis d'autres qu'on avait faites avant, que les affluents sont justement des zones d'habitat essentielles à préserver. Et ça, nous, notre discours auprès des aménageurs, il faut vraiment qu'on insiste dessus parce que ce n'est pas inné pour eux. Donc voilà pour une description rapide des résultats. Et pour aller un petit peu plus loin, en fait, l'idée, c'était d'essayer de servir de ces résultats-là pour mieux comprendre les préférences d'habitat du décement et essayer de voir comment les variations de débit artificiel sur la rivière faisaient que ces habitats favorables étaient plus ou moins présents et du coup pouvaient impacter plus ou moins fortement le décement. Alors ça, l'idée, c'est en lien avec l'hydroélectricité qui est très présente en fait sur les Pyrénées. On recense à peu près 650 aménagements. Alors ça va des petites centrales aux très grosses centrales avec retenue d'eau, etc. Mais voilà, les Pyrénées sont très aménagées par ce type d'aménagement et c'est problématique pour le décement, notamment sur les zones qu'on appelle un tronçon court-circuité, c'est-à-dire les zones de cours d'eau qui sont déviées et dans lesquelles on a un débit artificiel relativement bas et très stable dans le temps. Donc notre idée, en fait la loi dit que sur ces tronçons-là, les hydroélectriciens sont obligés de laisser un débit minimum biologique, donc qui garantit la vie, la reproduction des espèces en dessous, sauf que c'est toujours calculé sur un modèle poisson, et jamais sur d'autres modèles. Et du coup, ça nous semble insuffisant pour le décement et on essaye d'avoir des billes pour dire ben voilà, ce débit, a priori, serait insuffisant. Et donc, la loi dit qu'il faut calculer le débit minimum biologique et par défaut, si on n'a pas le vrai débit minimum biologique, on prend 10% du module. Le module étant le débit moyen du cours d'eau. Donc, 10% du module, ça veut dire qu'un cours d'eau passe à 10% de son débit moyen tout le temps, quoi. Donc, ça diminue quand même de façon conséquente. Donc là, pour faire cette étude, on s'est associé au bureau d'études EcoGEA, spécialisé plus dans tout ce qui est modélisation hydraulique. Et en fait, sur les tronçons sur lesquels on a fait le suivi radiopistage, EcoGEA a modélisé l'hydraulique du tronçon, donc avec des logiciels spécifiques, Télémac 2D, je crois qu'ils ont utilisé. Donc en fait, il y a un maillage du cours d'eau, et pour chaque maille, il donne des valeurs de vitesse et de hauteur de ce cours d'eau. Donc ça vous donne ce genre de carte. Parallèlement, on a essayé de travailler sur l'identification des préférenda du décement sur les cours d'eau qu'on a suivis par radiopistage, et ça donne ce genre de résultat. Alors, c'est vraiment les débuts. On avait une réunion lundi au CEFS avec eux. Donc, il ne faut pas les prendre comme argent comptant, mais voilà, c'est les débuts de nos résultats. Donc en gris, vous avez le disponible. Donc là, on travaille juste sur la variable vitesse. La disponibilité des vitesses sur le cours d'eau, alors ça c'était le cours d'eau du Vic de Sceaux, celui sur lequel on a travaillé l'année dernière. Et en noir, vous avez l'utilisé. Et donc ils utilisent un indice qui s'appelle l'indice de Jacob pour voir s'il y a une utilisation préférentielle ou pas des différentes classes de vitesse. Et donc ce graphe a tendance à montrer que le décement évite les faibles vitesses et préfère un panel de vitesses entre 80 cm seconde et 1,6 cm seconde. Mètre seconde, pardon. Donc des résultats intéressants à la fois en termes de vitesse et en termes de hauteur. Et l'idée, en fait, c'est de croiser tout ça pour avoir des courbes après d'interprétation. Donc de dire, ben voilà, on modélise ça avec plusieurs débits entrants. Et du coup, on se retrouve sur ce genre de graphique, c'est-à-dire que la surface d'habitat intéressant en termes de hauteur et de vitesse pour le décement
est mentionné en ordonnée. En abscisse, c'est le débit entrant dans la station. Et voilà, si vous êtes donc en pourcentage du module, si vous tombez à 10% du module tel que le dit la loi par défaut, et ben vous vous rendez compte qu'il reste moins de 10% de la surface d'habitat intéressante pour le dessement. Donc ça peut être un des arguments pour dire, ben vous voyez, il faut pousser plus loin le pourcentage du module pour avoir une surface d'habitat qui peut paraître suffisante pour l'espèce. Donc on travaille sur ces notions de hauteur et de vitesse, et on travaille aussi sur le deuxième élément qui nous paraît important pour le dessement, c'est la connectivité aux berges, puisque comme on vous disait, le dessement a ses gîtes dans les berges. Et de la même façon, donc avec une modélisation hydraulique du cours d'eau, de voir quand le débit augmente ou diminue, quelle est la perte de linéaire de berges connectées ou pas. Donc on voit que ça fonctionne un peu par palier, mais voilà, à 10% du module, on estime, alors je ne sais plus quel était le... Ouais, j'ai plus le linéaire en tête, mais il n'y a que tant de pourcents de berges connectées. Et la difficulté qu'on a maintenant, c'est de placer le curseur, de dire à partir de quelle perte on peut lancer l'alarme et dire là c'est plus possible pour la préservation de l'espèce. Donc voilà, c'est vraiment des débuts, on travaille dessus encore avec eux, et l'idée, on n'y arrivera pas avant la fin du life à tout boucler, mais l'idée ça serait de produire un outil opérationnel pour les hydroélectriciens, pour pouvoir essayer de les... Enfin voilà, de, et pour l'État, pour les services instructeurs, de dire bah, sur tel cours d'eau, vu ses caractéristiques, il faudrait qu'on propose un débit de temps vis-à-vis du dessement. Et je crois que c'est tout, c'est nos partenaires techniques et financiers, et merci pour votre écoute.